Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr ou géobiologie.me. Donc nous avons Gwen qui va nous présenter un super exercice physique sur retrouver sa valeur et quelque part se remettre à la bonne place en passant par le corps. Démonstration. Alors, c'est un exercice en deux parties. Donc première partie. Bon, je vous montre. Moi. Voilà, à faire assez vigoureusement. Voilà, vigoureusement, c'est voilà. Et la deuxième partie. Donc c'est un exercice qui dure au moins 5 minutes. Donc ça met effectivement vraiment en jeu le corps. C'est pas je travaille sur le corps, oui j'ai soulevé une paupière, puis l'autre paupière. Ben non, à un moment donné c'est vraiment ne pas hésiter à effectivement se mettre en jeu. Se mettre en jeu en disant je joue, mais aussi se mettre en jeu en mettant un petit peu d'énergie dedans. Voilà, un dernier... En profiter, il fait beau là. Faire dehors, c'est vraiment bien. Idéalement. Après, voilà. Si vous êtes en ville, dans un appartement, bah, faites comme vous pouvez. Et puis, pas hésiter à se lâcher dans le mouvement. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, on peut partir vraiment, voilà, se lâcher, faire aussi ce qu'on sent dans le mouvement. Pas hésiter aussi à exprimer par la voix. Et peut-être, voilà, selon les personnes, c'est pour s'échauffer un petit peu avant aussi, ça peut être pas mal. Alors, même pas mal, c'est voilà. Indispensable de s'échauffer avant. Parce que le côté par terre est quand même assez... parce que quand on est par terre, on lance les jambes, c'est vraiment, on lance les jambes en l'air. Donc l'idée n'est pas de singer, c'est de sentir les mouvements dans le corps. Si c'est juste pour dire, je le fais comme je regarderais une séance d'aérobic à la télé tout en étant sur mon vélo d'appartement, pas grand intérêt. Je suis en conscience dans le mouvement, dans le son. Sinon, c'est juste une séance de gym qui peut avoir son intérêt, mais c'est pas le but initial. Le prendre comme une danse, en fait, comme quelque chose vraiment où on se donne dedans. Okay. Et on se laisse porter aussi quelque part. Voilà. Bonne journée.